Rien ne fut plus sanglant que cette débâcle au milieu des bois et des marais. Cette phrase est extraite des annales de Tacite. Elle évoque la débâcle de trois légions romaines dans le bourbier de Germanie, à l'automne de l'an 9. Cet événement marque un tournant dans l'histoire européenne. Il porte en effet un coup d'arrêt à l'expansion de Rome dans les régions de l'Elbe, de l'Oder, voire de la Vistule. En l'an 9, l'Empire romain s'est replié derrière le Rhin et le Danube. La romanisation des barbares a échoué. Cet échec provoquera la division du continent européen. Et il nourrira un mythe allemand. Au XIXe siècle, le nationalisme romantique fit de la bataille de Teutobourg l'acte fondateur de la nation allemande et des guerriers germains, les premiers Allemands à se battre pour l'union et la liberté. L'emplacement du champ de bataille lui-même reste controversé. Plus de 700 lieues ont prétendu en avoir été la scène. À la lumière des découvertes archéologiques les plus récentes, la bataille se serait déroulée dans la forêt de Teutobourg, dans l'actuelle Basse-Saxe. C'est là qu'en 1875 fut érigée une statue du chef germain victorieux. Les Romains l'appelaient Arminius. Après avoir germanisé son nom en Hermann, les Allemands l'ont célébré au XIXe siècle comme un héros de la liberté. Qui était-il vraiment ? Ce film est son histoire. César a donné le nom de Germain à toutes les tribus qui vivaient à l'est du Rhin, dans des contrées inaccessibles, et qui multipliaient les incursions en territoire romain pour s'adonner au pillage. Son successeur, l'empereur Auguste, décide de sécuriser les frontières de la Gaule et lance plusieurs campagnes visant à soumettre les tribus germaniques. Certaines résistent, d'autres forment une alliance avec Rome. C'est le cas des Chérusques. La main de fer de la Pax Romana s'abat sur la tribu qui occupe les deux rives de la Weser. C'est ici qu'habite le jeune Arminius, d'origine noble. Il a une dizaine d'années lorsque sa vie bascule. Son père, Ségimer, chef d'une tribu de Chérusques, est un adversaire déclaré de l'alliance avec Rome. Je te salue, Ségimer. Que viens-tu faire ici? J'ai déjà placé ma tribu sous ton autorité et t'es reconnu comme notre chef. Cela ne veut pas dire que tu sois le bienvenu pour autant. Et encore moins quand je te vois en pareille compagnie. Comme tu viens de le dire, justement, tous les souverains chérusques m'ont désigné comme leur chef en assemblée. Et tous ont suivi mon conseil, accepté de conclure un accord de paix avec Rome. Que veux-tu donc ? Le temps est venu de remplir notre part de l'accord. Tes fils doivent me suivre. Il est courant chez les Romains de prendre en otage les fils des souverains alliés. Des chefs comme le Germain Ségestès sont des exécutants. Ils tirent de leur collaboration avec Rome des avantages personnels. Nous savons relativement peu de choses sur les Chérusques avant cette période. Ils font brusquement leur apparition sous le règne d'Auguste.
D'abord ennemi de Rome, il conclut par la suite un accord de paix. Durant cette période de la conquête romaine, Segestès est la figure de proue des Chérusques. Pour les Romains, Arminius et son frère Flavius le Blond incarnent l'élite de demain. Ils seront élevés comme des Romains pour un jour servir l'Empire dans leur pays. Les Romains y voient la seule possibilité à moyen terme d'étendre leur influence en Germanie. Car sur qui compter lorsque même au sein des alliés chérusques, les familles sont divisées entre amis et ennemis de Rome. On ne peut pas encore parler d'un peuple germanique unifié. Ceux que César appelle les Germains sont constitués de dizaines de tribus, elles-mêmes divisées en centaines de familles, qui se font mutuellement la guerre. Les Romains entrent en terra incognita, en terre inconnue. Les Romains découvrent un territoire comme ils n'en ont encore jamais conquis. La Gaule, en comparaison, était déjà très structurée. Elle avait une organisation celtique. Elle avait déjà ce qui ressemblait à des villes. Et d'un point de vue ethnique, elle était beaucoup plus homogène que la Germanie. Les Romains vivent chacun de leur côté, rapporte l'historien romain Tacite. Les plus grandes cités comptent jusqu'à 25 maisons longues, qui abritent hommes et bêtes sous le même toit. De telles villes n'existent pas dans l'Empire romain. Aux yeux des conquérants, les habitants de ce pays sont des sauvages sans culture, qui vivent plus comme des animaux que comme des hommes. Tacite décrit ainsi les régions qui s'étendent entre le Rhin et l'Elbe, de grandes étendues recouvertes de forêts impénétrables de chênes et de hêtres. Mais il n'y a jamais mis les pieds. Avec ses forêts et ses marécages, ce pays inspire la terreur et l'effroi. Ce jugement n'est pas sans fondement. D'un point de vue stratégique et logistique, les forêts denses sont un cauchemar. Pour les soldats romains, servir dans les rudes contrées du Nord équivaut à une punition. Quel endroit étrange. Les Romains ne connaissent pas les forêts. À l'époque, la péninsule italienne est presque entièrement déboisée. Avec ses arbres, l'Empire construit des navires et des villes. Reculez ! César écrit : Nul ne peut prétendre avoir atteint la limite de cette forêt, quand bien même il aurait marché 60 jours d'affilée. Nul ne peut prétendre, ne serait-ce qu'avoir entendu où se termine cette forêt. Dans le bassin méditerranéen, Rome connaissait un mode de vie urbain, la culture des villes. En comparaison, la vie en Germanie était très primitive, très simple. Les progrès les plus évidents apportés par la civilisation romaine n'existaient pas là-bas. C'était un véritable choc des cultures. Très vite.
Et de l'autre côté de la forêt commence la souveraineté de Rome et les échanges entre les mondes germaniques et romains. Étrange et fascinante à la fois, c'est ainsi que l'immense forteresse a dû apparaître aux deux jeunes garçons. Rien qu'à Castra Vetera, près de l'actuel Xanten, plusieurs milliers de légionnaires gardent la frontière du Rhin. Xanten n'est que l'un des 50 camps militaires que les Romains ont établis le long du fleuve. Ils ont fondé les villes de Cologne, Koblenz et Mayence. Elles sont les vitrines de la civilisation romaine. Les camps romains sont autant de villes ouvertes. Ils attirent les barbares qui font un commerce lucratif avec les Romains. Attends. Je peux voir. C'est fabuleux. C'est de la bonne qualité. Vous pensez ? Je connais ce marchand. Je voudrais voir cette étoffe de plus près. C'est du les cheveux blonds de femmes sont très prisés des Romains. Les pièces de monnaie, jusque-là inconnues des Germains, servent à échanger des fourrures et des peaux. Vous feriez un prix ? N'hésitez pas, toutes mes chevelures sont à un sesterce. Deux as, pas plus. Je m'appelle Gerwin. J'aimerais m'engager. J'ai noté. Entendu. Ceux qui n'ont rien à vendre se louent comme mercenaires à l'armée romaine. Il y avait de quoi susciter l'admiration des Germains. La conception des villes et l'organisation nécessaire pour les construire, la perfection de l'arpentage, des aqueducs, tout cela a dû leur faire beaucoup d'effet. Ils devaient véritablement tomber en extase en voyant des endroits pareils. Salopp gesagt, und haben einfach nur noch gestaunt. Arminius et son frère souffrent de la séparation d'avec leur famille. Mais peut-être sont-ils distraits par la nouveauté de ce qui les entoure. Ah, vous voici. Les enfants d'un souverain d'une tribu barbare. En tant que fils de souverain, ils ont droit à un traitement de faveur. Ils entrent pour la première fois dans une maison en pierre chauffée. Le sol est en pierre et il est chaud. Oh, t'as raison. Ensuite, on suppose qu'ils partent pour le voyage de leur vie. Ils remontent la Moselle, traversent les villes de la Gaule et franchissent la Méditerranée pour rejoindre la capitale de l'Empire. Les fils de souverains étaient souvent emmenés à Rome. C'était une politique courante. Auguste avait fait construire sur le Palatin une école qui leur était réservée et où ils avaient une double fonction. Ils servaient d'otages garants de la loyauté de leur père et ils recevaient une éducation romaine qui prendrait tout son intérêt le jour où ils retourneraient parmi leur peuple. C'est sans doute ce qui s'est passé avec Arminius. Parce qu'à l'époque où il était adolescent, les Romains avaient ramené d'autres otages prestigieux de Germanie. Arminius et Flavius ont probablement atteint Rome en l'an 9 avant Jésus-Christ. À son arrivée, le jeune Arminius est frappé par la splendeur de Rome. De magnifiques avenues traversent la ville. Le marbre luit sous le soleil méditerranéen. Jamais paix ne dura plus longtemps. Jamais l'Empire romain ne fut plus puissant que sous le règne d'Auguste. Sous le règne d'Auguste, l'Empire romain connaît une expansion sans précédent. Il a conquis le nord de l'Espagne, les Alpes, plusieurs territoires du Danube, en Anatolie intérieure, en Judée, en Égypte et en Afrique.
Plus tard, le siècle d'Auguste fut associé à une période de paix. C'est dû au fait qu'il a ramené la paix à l'intérieur de l'Empire après des décennies d'interminables guerres civiles. Mais à l'extérieur, Auguste était tout sauf un souverain pacifique. Il a mené bien des guerres, et des guerres très longues. Jeune homme, Arminius devient un rouage de la gigantesque machine de guerre romaine. Très vite, il comprend que la clé du succès tient ici en un seul mot, la discipline. Arrête à vous ! Mettez-vous en rang ! Pour le Chérusque, se plier à l'entraînement militaire et à l'apprentissage de l'obéissance n'a pas dû être facile. Les guerriers germaniques détestaient toute forme de commandement autoritaire. En avant ! Petite foulée ! Mais Arminius est un élève docile. Un jeune homme qui comprend vite et exceptionnellement doué pour un Germain, dit-on de lui. Le Chérusque semble avoir toutes les qualités requises pour devenir un pur soldat romain. L'éducation des Germains dans l'Empire romain se fait à deux niveaux. Le premier est d'ordre technique. Comment conduire une armée, que battre, comment s'armer. Le deuxième est idéologique. Rome n'est-elle pas la vraie politique, l'idéal auquel nous devons aspirer? Les Romains ont combiné ces deux aspects. Né avant le début de notre ère, Arminius reçoit son premier ordre de marche pour la Ponie, dans l'actuelle Dalmatie. Il commande des troupes auxiliaires à cheval composées de mercenaires germaniques. Des tribus de la province des Balkans se sont soulevées contre Rome. Et l'Empire riposte en envoyant 15 légions, soit presque la moitié des troupes disponibles. C'est l'occasion pour Arminius de constater la supériorité de la tactique militaire romaine. La force de l'armée romaine repose non pas sur la bravoure de chaque soldat, mais sur la synergie stratégique de ses différentes unités. Arminius n'oubliera jamais cette leçon. En terrain découvert, l'appareil militaire romain est invincible. Dans l'armée romaine, absolument rien n'était laissé au hasard. Chaque unité était organisée et formée par des officiers de métier qui en exerçaient la conduite tactique. Elles étaient ensuite incorporées à de plus grosses unités. C'est un peu le principe moderne des corps d'armée. Tandis que les Romains font la tortue, c'est-à-dire avancent en formation carrée, les barbares adoptent la formation dite de la tête de sanglier. La violence de l'impact n'a qu'un effet bref. Les légions écrasent leurs adversaires avec leurs cuirasses. Comme un seul corps, tellement les rangs sont serrés, fut-il rapporté. Et Arminius ? Le récit détaillé de ces faits de guerre en Pannonie ne nous est pas parvenu. Mais il dut faire preuve de mérite, puisqu'il obtint la citoyenneté de rang équestre, la plus haute distinction que puisse recevoir un Germain. Voici de quoi vous désaltérer. En 15 années, Arminius, fils de souverain germanique, est devenu un respectable citoyen romain. Sa famille, son indépendance, la forêt à perte de vue, tout cela lui manque-t-il? Les historiens ne peuvent que spéculer sur la nature de ses préoccupations. Plusieurs Germains
auxiliaires dans l'armée romaine, ont appris le métier sans jamais se sentir véritablement romains, ni faire allégeance à Rome. Il n'est pas facile de faire adhérer quelqu'un à un système qui, certes, offre de gros avantages, mais qui implique un changement identitaire dont tout le monde n'est pas capable. En l'an 7 après Jésus-Christ, l'empereur Auguste nomme l'un de ses parents nouveau gouverneur de Germanie. Il s'appelle Publius Quintilius Varus. Il a, nous citons, un cerveau paresseux et un certain embonpoint. Cela ne l'a pas empêché de prouver sa valeur dans les situations de crise. Alors qu'il était gouverneur de Syrie, il réprima une émeute de juifs et fit crucifier 2000 insurgés. Il arriva pauvre dans cette riche province, il repartit riche d'un pays appauvri. Ce jugement fut émis après la débâcle en Germanie. Varus a connu une carrière fulgurante. Des pièces de monnaie ont été frappées à son effigie, un privilège très rare. Varus avait toutes les capacités et toute l'expérience attendue d'un sénateur romain pour accomplir une mission en Germanie. Jamais Auguste n'aurait envoyé quelqu'un simplement parce qu'il était de sa famille s'il n'avait pas été convaincu qu'il avait assez d'expérience pour mener à bien sa mission. Mais Auguste prend une autre décision qui aura des conséquences dramatiques. Arminius. Il envoie le jeune Arminius accompagner Varus en Germanie. Varus approuve ce choix. Arminius est courageux, discipliné et loyal. Mais surtout, le Chérusque connaît les méthodes de combat de ses compatriotes. Et il parle leur langue. En l'an 7, Arminius est de retour dans son pays. Entre-temps, les Romains ont aménagé la province. Le long de la Lahn, de la Lippe et du Main, ils ont érigé des camps fortifiés censés asseoir leur autorité en Germanie. Alterne en est le centre administratif, la capitale de la nouvelle province. Les Romains y construisent un camp fortifié pouvant accueillir 3 légions. Soit environ 20 000 hommes. On construit des casernes, des forges d'armes et des ateliers de céramique, mais aussi des villas pour les hauts fonctionnaires, ainsi qu'un port pour le ravitaillement en produits romains qui rendent la vie plus supportable dans ce pays qu'ils jugent barbare. Germania capta, la Germanie est captive, fait-on savoir à Rome. Les Romains ont très tôt essayé de faire croire à l'opinion que la Germanie était un territoire conquis. Les personnalités les plus éminentes en témoignent. Auguste écrit dans son testament qu'il a conquis la Germanie jusqu'aux bouches de l'Elbe. Chaque général qui a remporté la moindre petite victoire quelque part en Germanie se fait appeler Germanicus, comme s'il avait les Germains sous sa botte. Pour mieux convaincre l'opinion, les Romains sont allés jusqu'à frapper des pièces de monnaie, représentant la Germanie sous les traits d'une femme assise et en pleurs, avec une lance brisée. Rien n'a changé dans ce village. Mais comment régner sur ce pays éclaté et sur ses indomptables habitants? 20 ans de domination romaine n'ont rien changé, comme le constate Arminius lors de son retour dans son village. Le mode de vie romain et ses progrès n'ont pas atteint les régions éloignées des camps fortifiés. Arminius s'est sans doute réjoui de revoir son père. De quoi ont-ils parlé? On l'ignore. Mais il est permis de faire des suppositions. Je suis heureux de te revoir, mon fils. Même si je dois avouer
que cela me trouble un peu de te recevoir ici, sous mon propre toit, habillé en soldat romain. Ouais. Je te respecte, père, mais les temps ont changé. Notre terre fera bientôt partie intégrante du grand ensemble qu'est l'Empire romain. Tu verras, nous apporterons le progrès, la paix, la prospérité. Sous l'égide des lois romaines sera la guerre de clans. Nous allons bâtir des villes et des rues. Et au sol, à la place de la terre battue, tu auras bientôt des pierres chauffées. Rome, je t'en prie, fils, par tous les dieux, ne renie pas tes origines. Tes Romains, là, ils nous pressent comme les raisins qui servent à faire le vin acide. Ils comptent nos têtes comme du bétail pour lever l'impôt. Et Perse, les Romains n'ont le droit de porter quelque arme que ce soit. Alors, comment un chérusque peut-il vivre sans son épée? Tu as sans doute raison. Les temps ont changé. Mais ce sont des temps pour nous d'esclavage, pas de liberté. Non, pas de liberté. Les Rusques ne sont pas les seuls à aspirer à la liberté et à l'autodétermination. À preuve, les découvertes faites par des archéologues de la Hesse, près du petit village de Waldgirmes. En 1993, ils ont mis au jour des fondations romaines. Ils ont d'abord cru trouver un autre camp militaire. Car les spécialistes ont toujours affirmé que l'existence de villes fondées par l'Empire à l'est du Rhin était de la propagande d'occupants. Pourtant, ces découvertes démentent le caractère militaire de Waldgirmes. À ce jour, c'est la seule ville trouvée à l'est du Rhin. Une ville où se côtoyaient Romains et Germains. L'historien Dion Cassius écrit « La construction de forums, de maisons et de thermes incite les peuples soumis à vivre dans la paix et la tranquillité. » La découverte la plus spectaculaire concerne plus d'une centaine de fragments d'une statue en bronze, dont une partie de harnais décoré de vrilles et un sabot de cheval. Les archéologues sont persuadés qu'il s'agit d'une statue équestre d'Auguste. Recouverte de feuilles d'or et dressée sur le forum, cette statue manifestait la volonté d'hégémonie de Rome en Germanie. Avec la présence à Waldgirmes de cette statue grandeur nature, recouverte de feuilles d'or, Rome affiche son ambition de suprématie. Il faut se mettre à la place d'un Germain qui vient sur cette place et qui voit une statue équestre d'un Romain reposant sur un piédestal luisant d'or. Il devait être impressionné au plus haut point. C'est sans doute à Alterne que se rencontrent pour la première fois Arminius et Varus, les deux hommes qui vont écrire une page d'histoire. Arminius. Auguste m'a donné l'ordre de faire de la Grande Germanie une province romaine. Que penses-tu de la situation de ta patrie d'origine ? J'aimerais ton avis. Avec tout mon respect, je ne me sens pas capable d'en juger. Je ne suis qu'un chevalier, un simple préfet, non un sénateur. Tu as raison, mais il s'agit pourtant de ton pays, de tes compatriotes qui, par ordre de l'empereur, doivent bientôt faire partie de l'Empire romain. Je ne me sens plus germain, je suis romain maintenant. Sache que mes pensées et mes sentiments sont tout aussi romains que les tiens. Bien, je veux espérer alors que tu agiras en conséquence. D'ici quelques jours, nous allons partir avec les légions romaines pour le camp d'été. Préfet Arminius, je veux que tu nous précèdes en éclaireur. Pour asseoir leur autorité,
les Romains envoient plusieurs troupes à l'est, depuis leur camp fortifié sur le Rhin et la Lippe. Leur destination, la Weser, près du territoire des Chérusques. S'aventurer dans ces contrées sauvages est une entreprise audacieuse. En l'absence de route, les Romains transportent troupes et ravitaillements sur le fleuve. Ils ont conçu un type de bateau à fond plat, adapté à la navigation en eau peu profonde. Le chaland mesure 30 mètres de long. Il ne s'enfonce que de 40 cm et peut transporter jusqu'à 53 tonnes. Avec une flotte de centaines de chalands, Varus progresse vers l'intérieur de la Germanie en remontant la Lippe, jusqu'à ce que le fleuve ne soit plus navigable. On décharge les bateaux. Les légionnaires sont accompagnés d'un cortège de civils, forgerons, charpentiers, collecteurs d'impôts et marchands, souvent venus avec leurs familles. Outre l'équipement militaire, il y a du vin, des olives et tout ce qui peut faciliter le séjour des Romains dans ces régions hostiles. Les troupes auxiliaires, composées de Germains, reçoivent pour mission de partir en reconnaissance et de sécuriser la voie. Arminius, l'enfant du pays, commande ses unités. Le convoi, composé de 22 000 personnes, s'étend sur plus de 15 km de long. Les soldats avancent en rang de 4. Chacune des trois légions est suivie par un train de bagages. La colonne est capable de parcourir une vingtaine de kilomètres par jour. Leur destination est le coude de la Weser, à l'endroit où le fleuve traverse des régions montagneuses. L'emplacement du camp d'été des Romains fut longtemps controversé, faute d'indices probants. Les premiers ne furent découverts qu'en 2008, dans un quartier résidentiel en bordure du fleuve. Les fouilles ne font que commencer, mais plusieurs découvertes, comme ce piquet d'une tente de légionnaire, semble accréditer la thèse d'un camp militaire romain, voire du camp d'été de Varus. Comme il l'a fait lorsqu'il était gouverneur en Syrie, il entreprend d'instaurer la loi romaine, sans doute convaincu que ceux qu'on ne peut soumettre par l'épée le seront par le droit. Mais le moment est-il bien choisi? L'historien Veius Paterculus en doutait lorsqu'il écrivit « Varus donna des ordres aux Germains, comme s'il était déjà dans la servitude, et leva des tribus dont sont ordinairement redevables des sujets. » Je veux tout par écrit, du premier tronc jusqu'au dernier là-bas au bout. Tu comptes tout, je veux savoir combien ont été livrés. Ce sera fait. Bien. Dans les petits villages, les collecteurs d'impôts ont peu de travail. Ils nous volent nos biens. Les Germains sont à peine autosuffisants. La terre ne fournit presque pas de surplus. En confisquant leurs maigres revenus, le nouveau gouverneur s'attire la détestation. Une haine attisée de plus belle par l'instauration du droit romain. Qu'un seul individu soit habilité à régler les litiges est profondément compatible avec la conception de la justice des Germains. Décider de ce qui est juste ou est un privilège de leur noblesse, un droit coutumier non écrit.
Les accusés sont coupables d'avoir volé. En conséquence, je les condamne à être crucifiés. Pour les Germains, seuls les dieux ont pouvoir de vie ou de mort sur un homme libre. Les auteurs de vol et de meurtre sont seulement tenus de verser une indemnité à la victime ou à sa famille. Vous le regretterez. Mais Varus ignore superbement les traditions sacrées des Germains. Les Germains se vengeront, Varus, tu verras. Un jour, on se vengera. Das Vorgehen von Varus in Germanien. Varus a procédé en Germanie comme Rome a toujours procédé ailleurs. Il a instauré la juridiction romaine comme dans n'importe quelle autre province de l'Empire. Que les Germains n'aient pas trouvé cela à leur goût est une réaction tout à fait normale. Pensez à aujourd'hui, au mécontentement des gens quand ils sont condamnés et mis en prison par un occupant. Aucune société n'accepte de gaieté de cœur de voir des étrangers arriver chez elle et y rendre la justice. La colère gronde. Avec une poigne de fer, Varus réprime les soulèvements, fait exécuter les insurgés et incendier les villages. Et Arminius ? Il a gardé de ses compatriotes le souvenir de guerriers fiers et libres. À son retour, il les voit réduits à l'impuissance, opprimés par le pouvoir qu'il sert lui-même. Son cœur de germain a-t-il soudain recommencé à battre ? Le jeune Chérusque doit choisir. Et il choisit de tourner le dos à Rome. Ses motivations font l'objet de débats passionnés entre historiens. Ils n'ont aucune certitude, puisque les sources sont muettes sur ce point. Apparemment, Arminius a vécu un certain nombre d'expériences qui l'ont conduit à ce revirement d'opinion. La civilisation romaine l'avait profondément fasciné. Il y a puisé tout ce qui lui était nécessaire pour mener à bien son action. Il y a ajouté son héritage germain. Et il a retourné tout cela contre Rome. L'Empire, sous certains aspects, ne lui paraissait finalement plus aussi menaçant pour l'avenir de sa tribu. Le revirement d'Arminius a peut-être été dicté par des motivations plus égoïstes. Son désir de régner sur sa propre tribu a sans doute pâti de son voisinage avec Varus. Un soulèvement réussi contre l'envahisseur lui assurerait d'un seul coup le ralliement de toutes les tribus germaniques. Arminius nourrissait peut-être l'ambition de régner sur la Germanie en tant que roi. Et pour y parvenir, il aurait exploité le sentiment anti-romain qui régnait dans son pays. Il est certain qu'Arminius avait une grande soif de pouvoir. Le choix qu'il a fait, qu'on peut certes interpréter comme un combat pour la liberté, était peut-être un calcul personnel pour ériger une monarchie à son profit. À la fin de l'été de l'an 9, les légions romaines se préparent à regagner le Rhin. Et maintenant, avancez ! Arminius commence un jeu dangereux. Il ourdit le plan audacieux d'attaquer les légions de Varus sur le chemin du retour. Et cela sans cesser de commander aux troupes auxiliaires.
Au revoir. Il entretient avec Varus une relation presque amicale. Plus tard, on reprochera au gouverneur sa trop grande confiance. Arminius. Varus. Mais pour Varus, Arminius est un Romain d'une loyauté à toute épreuve. Content que tu sois de retour. J'ai besoin de toi. Mon épée et moi sommes à ton service. J'y crois, j'y crois. À Romain, Arminius réunit les tribus germaniques pour gagner leur soutien. Il doit les convaincre qu'il a le Heil d'un général lieu. Pour les Germains, le Heil correspond à un supplément de chance. Celui qu'il a mérité ou reçu en don des dieux, rend et le transmet à tous ses partisans. Arminius réussira-t-il à liguer les tribus germaniques? Car les Germains préféraient se faire la guerre entre eux. Le pire ennemi d'un Germain est un autre Germain. Et puis, il fallait compter avec les souverains, que leur alliance avec Rome comblait d'argent. C'était le cas de Segestes, qui est un membre de la famille d'Arminius. Écoutez-moi, homme libre, écoutez-moi. Nous sommes rassemblés ici pour délibérer ensemble de l'opportunité de porter les Roms. Vous avez toujours accordé du poids à mes conseils, et ceux qui m'ont suivi aujourd'hui n'ont jamais eu à s'en plaindre. Et ce soir, j'en suis persuadé, il est inutile d'attaquer les légions de Varus. Combien de fois sommes-nous partis guerre et avons-nous subi la défaite? Combien de fois se sont-ils atrocement vengés? Et toi, mieux que personne dans cette assemblée, préfère tyranner. Les Romains sont invincibles. Tu parles vrai, Segestes. Mais devons-nous pour autant supporter que nos familles soient privées de liberté et vivent en esclaves? Devons-nous pour autant supporter de voir, dans nos forêts comme dans nos villages, jour après jour, des soldats étrangers, des faisceaux, des haches et des toges? Devons-nous supporter que des hommes libres paient un tribut et soient condamnés, et même exécutés en vertu du droit romain? Mais pourquoi devrions-nous courir vers une mort certaine? Et en plus, risquer qu'ils réduisent en esclavage nos femmes et nos enfants? Il est temps, agissons avant que nos épées soient rouillées. Faites-moi confiance. Et à tous ceux qui décideront de me suivre, je leur promets la gloire et la liberté. Segestes comprend l'énorme risque que le soulèvement d'Arminius va faire courir aux Chérusques et aux tribus voisines. Qu'Arminius ait une chance de l'emporter était hautement invraisemblable, aussi bien pour les Romains que pour une partie des Chérusques. La veille du départ des légions vers l'ouest, Segestes se rend dans le camp des Romains. Il vient voir Varus, qu'il a invité à un repas d'adieu. Arminius se trouve parmi les convives. Varus, je suis venu t'avertir. M'avertir? Mais de quoi? D'un soulèvement, une conspiration contre toi et les légions de Rome. Et qui pourrait être cet homme assez téméraire pour oser lever les armes contre nous? C'est celui qui est assis à ta table. Il a raison. Je vais attaquer et anéantir toutes tes légions. Puis après, je transpercerai ton corps avec ma propre épée. Tu as bien fait, Segestes. Merci de vouloir m'épargner ce terrible affront. Approche. Viens boire une coupe de vin avec nous. Varus, tu dois me croire. Écoute, si tu veux, laisse-nous ici tous les deux. Mets-nous en prison, lui comme moi, et continue ta route.
Pour qui me prends-tu? Me crois-tu incapable de distinguer l'ami de l'ennemi? Varus était un homme très avisé. Il faisait partie de l'élite dirigeante de l'Empire romain. En Syrie, il avait acquis une grande expérience en dénouant des conflits militaro-politiques complexes. Cette expérience lui avait appris qu'il fallait faire confiance à ses alliés et à ses amis. Nos éclaireurs rapportent que plusieurs tribus du Nord projettent un soulèvement. Peut-être vaudrait-il mieux que nos légions se tiennent prêtes à combattre. Dis-nous, Arminius, qu'en penses-tu? Eh bien, je pense que ce sont des rumeurs tout au plus. Mais si tu l'ordonnes, je peux aller sur place avec nos troupes auxiliaires pour me rendre compte. Qu'il en soit fait ainsi.